Alors que le prix du gaz ne cesse d'augmenter, l'association UFC Que Choisir désigne l'opérateur le plus compétitif. Elle s'est basée sur deux critères, le prix bien sûr, mais aussi la gestion des litiges auprès des clients en cas notamment de surestimation. Cet été, elle a donc lancé un appel d'offres pour faire baisser la facture. Sur 7 fournisseurs de gaz, un seul a accepté de jouer le jeu. Il propose une réduction de 13 à 15 %, soit une économie moyenne de 124 euros par an pour un foyer. Les consommateurs doivent s'inscrire sur le site gazmoinscherensemble.fr et en fonction du nombre d'inscrits, l'offre sera plus ou moins alléchante. Objectif, trouver une alternative à GDF Suez. C'est l'opérateur historique, donc effectivement, mais aujourd'hui, le marché du gaz, il est ouvert, contrairement à celui de l'électricité, où on a un marché qui est fermé, puisque EDF fournit, mais aussi fait l'électricité. Donc le marché là, il est plus ou moins fermé. Le gaz, le marché est ouvert, puisque on achète du gaz, quel que soit le fournisseur peut acheter du gaz comme il le souhaite. Donc effectivement, à meilleur prix que GDF. Donc le marché, non, il est ouvert. Ensuite, si nous avons retenu l'Empiris, je dirais que c'est parce que d'autres fournisseurs n'ont pas souhaité suivre.